gérer de l'argent avec Remitly. C'est facile, mais c'est aussi sécurisé avec Apple Pay et Google Pay. Ok, l'application Remitly. Risparmi per una casa tutta tua? Con immobiliare.it ti basta salvare la ricerca e attivare le notifiche. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. L'ingratitude, c'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. La sorcellerie, c'est normal. La méchanceté, c'est normal. Y'a des hauts et des bas, c'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Dans la situation, c'est pour les doux et gare à toi si tu veux percer. Fils de qui, ne grossier pas. Si je suis all normal, j'ai bossé. Charbonné, jamais rien lâché. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Normal si aujourd'hui je passe en télé. Je me douterais bien que ça ferait des rageux. C'est normal, ils sont complexés. Même si tu fais une tuerie de folie, ils te diront toujours que c'est pas mal. Le parfait n'existe pas. Vaut mieux avoir un que zéro. Malgré toutes tes richesses, n'oublie pas que sous un vie c'est l'eau. Sur un beat africanisé, le rebelle va vous faire danser. Sur un feat improvisé, MC One montre ta puissance. C'est normal, tout ça c'est normal. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. L'ingratitude, c'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. La sorcellerie, c'est normal. La méchanceté, c'est normal. Y'a des hauts et des bas, c'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Je peux pas t'empêcher de me détester. L'homme est libre d'exprimer son opinion. Tu m'aimes pas, mais je fais ma vie comme je veux. Hey, mets pas de tes oignons. Si j'ai charbonné qu'aujourd'hui ça paye, c'est ma baraka. Quand t'es proche du succès, les gens que tu crois, c'est des visages du regard. Tu me détestes, c'est normal. Négro, viens pas me faire la morale. J'abats sous le nom d'une boulangerie parce que dans la vie, faut se battre pour gagner son pain. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Tu m'aimes pas, rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. L'ingratitude, c'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. La sorcellerie, c'est normal. La méchanceté, c'est normal. Y'a des hauts et des bas, c'est normal. C'est normal, tout ça c'est normal. Tu m'aimes pas, rien à foutre.
rien à foutre. C'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Y'a des gars, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu fais ça? Y'aime pas ça, hein? Rendez-vous le 5 mai au casino de Paris. On dit que la team est là, on n'a pas animé. Y'a des gars, on a mis là. T'as payé, y'a pas la palabre. Décoré comme des chevaliers, la team est là, il faut allumer la télé. Il va bagnon! Y'a des gars, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu fais ça? Y'a des gars, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu fais ça? C'est le commandant Samu. Aïe, ça c'est de ma déjà, déjà. C'est nous pour le bas, le chico et lui-même. Si elle parle, nous aurons les larmes aux yeux. Les rêves là, il met ça dans le volet pour venir. Il y a mal, il y a mal, c'est dingue. Il y a une lame, il est dingue. Tiens, on forme, on a compris. C'est Guy et si, on paye pas tes rêves en boîte. Quadra, El Quadranozo. C'est le Big Gando, tu le kikir, enlève d'elle. Je suis venu prendre la petite entité du casino. Allons ça, café, café, allons ça, allons ça, allons ça. Y'a des gars, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu fais ça? Y'a des gars, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu fais ça? Y'a pas ça, hein. Vous connaissez la famille avant pour user les Milano de bouche, car une fois. Brenix, y'a pas qui c'est. Les amis sont les barrages, les Milano vous invite au casino. Venez danser, 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 danser. Vous laissez les mains, y'a la la, ça la va, c'est un bouton. Le casino va se casser, le casino va se casser. La famille, chers frères et chers sœurs, les heures qui suivent seront très décisives. Veuillez partager le live. Nous sommes dans des heures, nous passons à des heures décisives de ce combat. Je tenais à rappeler à tout le monde, nous passons à des heures décisives de notre combat. Tapotez, partagez le live. C'est l'heure. Partagez, tapotez. Nous sommes à des heures décisives de notre combat. Je dis bien, ça va se passer tout à l'heure dans le live derrière Robert. Mais avant, kiffez les musiques, les sons de tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début de ce combat, qui sont les artistes. Nous leur rendons hommage et nous leur apportons notre soutien. Et nous leur disons aussi que nous sommes reconnaissants envers eux. Nous sommes dans les heures décisives de ce combat. Tapotez le live, partagez le direct. Restez concentré et focus, écoutez la bonne musique. Voilà. Ce procès prévede que vous deux vous ricongiungiate. Que vous aurez vos larmes pour pleurer. J'espère, tous ceux qui ont douté de ce combat, vous aurez que vos larmes pour pleurer. Voilà. Application medley. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh. Tellement les petits ont beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez pas disant pour danser, venez pas disant pour bouger. Y'a qu'à ta bina pour danser. Ding 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 ding. Bébé Rani Kano, c'est pas normal. Le watch Alena Kayfoot, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait des années, t'as fait. T'habba Kouchi Kaman, j'connais les gens, on a les gays. N'ai chaud la vie, tu gardes le gauche, ça repart et t'as la pégé. Khaline, j'ai blâmé, fonge, 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 j'ai blâmé, fonge. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh. Tellement les petits ont beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez pas disant pour danser, venez pas disant pour bouger. Y'a qu'à ta bina pour danser. Ding 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 ding. Bébé, haïdi la bavé, j'choufek bi aïnéa. Léa, t'chouni, t'chahad man ghéréa. Amour, t'ombe, t'chahad ma y'dorbéa. Inch'Allah, j'y vais en doualdéa. Tu respectes comme un carreau, j'osais ici, je suis ici.
Paris, je reste. Scarica l'app, ordina un globo e ricevilo in pochi minuti. It should cost a billion to look this good. Oh yeah. Check my technique. I'm too busy. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Recevez désormais sans off. Featuring Malade. DJ Dem Mix 1, 2, 3, position. Président Kobi. L'Afrique va danser. Apuntu National. Molare a Paco. Roba DJ Paco. Estufe Dumbia Paco. Paco é joli maison. Paco é solo. Arnaud Dabagada. L'Afrique va danser. La France est tantôt des dents. Qui n'ont plus de cheveux dans le quartier. C'était au le king. Et s'il n'y avait plus de dans toutes les boîtes de nuit, et ces autres, comment faire pour danser? DJ Philo, donc il faut respecter mon Grigata, Grigata. Merci à toi, mon Dieu, qui confronte toujours nos ennemis. C'est qui ça? Paco, 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 Jean-Jacques et toi, mais Paco, Paco. La réception. Nommé du TB, Muscador Sanchez. Marco de Non. Le Bocheri. Pedro Escobar, mon guitariste Bobo Avatar. DJ Nalo. Paco. DJ Bombastic. Maman, t'as joli. Paco. Willy Dombo, ça a poussé. Qui n'a voulu? Paco. Philippe Dibi dansé. Paco. Qui n'a voulu? Tout pas cri que tu pour qu'on gagne. Paco, 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 Paco. Cool mano mano, Tanguy de Nana. On va jouer encore. Est-ce que je peux vous entendre? S'il a choisi d'être présent. Je n'ai pas compris. C'est parce qu'il y a quoi dedans? Je parle de bébé. Est-ce qu'il y a goût dans bébé? Il y a goût dans bébé. J'étais ici bien assis à pété. Assis ici à pété. J'ai besoin d'un pété. Est-ce qu'il y a pété?
Attends, il y a un peu de calme. Voilà un pété. Copie. C'est un pété. Laisse porter le pété. Viens, viens. On applaudit le pété. J'ai dit pété. Il a soulevé sa main. Ah, s'il dit voilà un pété. Et puis il est fier d'être pété. Il me dit il y a son goût dedans. C'est pourquoi il est pété. Il a dit folie de pété. Je l'ai dit pété. Moi j'ai dit il y a ton goût dedans. C'est vrai ou c'est faux? Yodel, je vais vous présenter copine. Allez, copine. Yeri, dites aux gars au caleçon bleu là, il n'y a qu'à rester tranquille. J'ai dit, est-ce qu'on peut applaudir le pédé le plus courageux de ce soir? Je ne sais pas si j'ai dit la pédé ou bien le pédé. Mais Yodé, copie ouais. Tape ici. Tape dans la main de Yodé. On a fait. Yodé, il y a son goût dedans. Siro, il ne faut avoir goût dans pédé. Yodé, il y a son goût dedans. Est-ce qu'il y a goût d'un pédé? Yodé, il y a son goût dedans. Ce que vous n'avez pas goûté, comment vous savez? Donc si toi tu sais, c'est qu'il a goûté. Si j'avais goûté, il y a longtemps, j'étais loin. Comment lui, il goûte, mais ça pourrait être loin. Si toi tu as goûté, il y a son goût dedans. Pédé, il y a son goût dedans. Ici là, qui dit c'est faux? C'est faux. On te donne 2 milliards et puis on te fait un coup, un coup, un coup. Tu as pris tout, tu as laissé. Musique en bas. On te donne 2 milliards et puis on te fait un coup, un coup, un coup. Vous jouez quoi? Moi, tu me donnes 2 milliards. Ouais. On me fait un coup, un coup, un coup. Je prends. Après, moquez-vous de moi. Si tu te moques de moi, j'attrape ta copine. Je lui donne 20 millions. Et puis, je lui fais un coup, un coup, un coup. Viens, ma copine. Hey. Ding ding ding. Eh ouais, faut croire. J'ai dit que les... Eh, ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Eh Dieu. Non. Il est dit. Il reste encore 2 heures du temps. C'est fort. Tapoter, partager le live. Voilà. Tapoter, partager le live. Il y a qui a soutenu le mouvement aussi. C'est quel artiste qui a soutenu le mouvement? Il dit Edossi. Depuis là, il écrit en bas Edossi. Edossi Yao? Là, Edossi Yao, là, il y a. Elle a soutenu, il y a Edoxy, il y a la team PA, Axel Comment les pieds?
Bonsoir. Vous êtes un souriant. Je dors, je dors. Tu as mis ton drap? Moi, je dors. Je vous aime. On est ensemble, les gars. J'ai vu que tu jouais musique. J'ai vu que tu jouais musique. Donc, je voulais écouter musique là, dans mon sommeil en même temps. Ah, ok, ok. Donc, il met. Il te fait bien, il met pour le vivre. Ah, nous, on danse, on est en train de danser, on écoute la musique. Je vous aime de tout mon cœur. Nous aussi, on t'aime, le père. Mais, musique nous aussi, là, on t'aime très fort. Exactement. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On danse en tout cas. Ah, donc, il doit m'asseoir pour danser aussi. Vous voulez voir aussi bébé Nika danser? Et s'il est là, le vieux, s'il est là. Bébé Nika! Ah oui, il y a Nika Paul aussi qui nous a soutenu. Bébé Nika, je n'en dis pas plus. Bébé Nika, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, bébé Nika. Bonsoir, bébé Nika. Comment manger, comment déguster? Oui, faut danser un peu. Je ne vais pas danser parce qu'ils ont mis de musique. Attends, il met ton son. Ça ne met pas les DJ en face là. Attends, il y a la musique ici même. Mettez le son. Et comment les voir, on ne vient pas nous coller, il faut des sous. Allez, comme ça. Vous en êtes comme Gabon, on connaît les mecs. On a tous des tas sur le carré, c'est un petit état. Vous en êtes comme Gabon. Et tu sais que c'est la fin. Il a fait 4, il a fait tout commencer. On en comme Gabon. Emmanuel Wiener, Alain Guédé de Toulouse, président Eric Saki. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ces gens de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis par le parler en même temps. Voilà, lui il vient, oh. On dit pas son nom de faux. Dès que tu as besoin de lui, oh. Le mondialito, président MBC de la génération consciente. J'ai même pas fini de parler en même temps. Voilà lui, il vient, oh. Gouverneur Benzema de Paris, oh. Voilà lui, oh. Sénateur Jijika de Paris, oh. Voilà lui, oh. Jojo le Cotoni et Guizot le Panam. Voilà lui, oh. Francesca Sévigny, Solito Biel et Bac. Chez qui Moudi, Didi, Tony Keblan, Blanc. Anissé Badassé, Piquant Montana. Capitaine Zito le Brassadje, Ives du Jassa. Caro de Steph. Et ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. Chidon de Rouen. Ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Marcel Zélé. Ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. Estouffleur. Surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. Serge Thomas. Patrick Odier, le sélectionneur. Alex Modo. Doudou Tika de Genève. Bon, on va renchérir un peu le temps qu'ils viennent. Candice, vous avez la parole. Aïe, influenceur, on va Candice renchérir. Candice Dream. parlons de toi derrière. Insultons, je ne sais pas, Bamougousson, faisons tout ce qu'on veut. Ton titre là, c'est toi d'abord qui dois introduire. Fais l'introduction. Ton titre, tout l'Est, Cécilia. C'est comment?
Mais moi, il y a longtemps que j'ai... Depuis matin, hey, moi, mais je danse. Mais on faut faire introduction, comme ça, nous, on, fait des... on a développé. Ah non. En fait, l'état d'esprit dans lequel je suis, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre. Si j'introduis, je vais donner trop d'informations. Si je ne dis rien aussi, je peux faire chanter et danser. À la ah, gloire. Ah, ouais. Tout laisse d'être. Donc, c'est... Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. It's very, very complicated. Bon, laissez-nous parler. Ok, tu veux parler, Coquette? Est-ce qu'elle est en haut? Precious. Il y a peu du quoi, là. Ouais. Bonsoir, mes tatas. Hello, Coquette. Bonsoir. Le fait d'être croyant en nous, moi, je suis un peu fâchée. Depuis, il a dit, je veux payer l'abonnement de Tata Yala. Personne même ne m'écoute. Il écrit à Tata Chanson. Il écrit ici, oh, personne ne me répond. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Je voulais faire l'abonnement pour le compte de Tata Aya. Mais je n'ai pas de carte Jamo. Hein? Du coup, voilà. Tu n'as pas de carte Jamo. Oui, tu as un PayPal. Ah, du coup, j'ai demandé, parce qu'il y avait toi et moi qui disaient que pour la personne qui veut faire, il n'y a pas de souci, ils pouvaient le faire. Et puis, on faisait le transfert. Donc, j'étais depuis le matin même. Oui, il y a Caleçon qui avait dit comme quoi vous devriez faire un transfert à Chance. Et puis, elle allait prendre l'abonnement. D'accord. Oui, mais là, on l'attend, en fait. Je pense qu'elle avait sa pause à 18h. On ne l'a pas eu. Donc, on va attendre jusqu'à 23h qu'elle finisse. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Un autre sujet. Mm-hmm. Vous savez, moi, je suis avec vous. Oui, il y a un autre sujet. Ah bon? Je suis avec vous depuis le début de cette histoire. Parce que, comme j'ai dit... On nous appelle souvent les moutonniers, on réfléchit pas, mais je pense que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens intellectuels qui prennent le temps d'écouter les histoires de part et d'autre avant de vraiment se faire une raison. Et justement, c'est ce qu'on a fait depuis le début, entre vous, Tata Influenceur, Tata Glagla, Aya Robert, Mado, on a écouté les questions de part et d'autre, on s'est fait notre idée. Et moi, personnellement, je me suis fait mon idée à me dire que cette histoire est très louche et qu'il y a de quoi creuser. Voilà. Donc, moi, je suis les panels depuis le début, on ne dort pas. On dort à 3 heures pour se réveiller à 4h30 pour aller au travail. Mais aujourd'hui, j'ai assisté à un panel, mais vraiment écœurant. Au point où j'ai tellement commenté que mes doigts me font mal. Ils ont pris Pharrell sur un panel tout à l'heure. Et à croire que, en tout cas, à la fin de ce, je sais pas si je vais dire interview ou interrogatoire, aujourd'hui c'est Kevin Mion qui est devenu a sali le monsieur. Moi, je connais Kevin Mion bien avant cette histoire. Parce que on est tous jeunes et généralement, quand il y a un jeune qui se met au devant des choses, côté politique, on a tendance à vraiment le suivre. Et surtout, moi, j'ai toujours adoré ses idées. Et même quand il s'est présenté à la mairie de Cocody. Mais voir qu'on traite le monsieur comme si c'était une vulgaire personne, un brigand. Parce que Pharrell a dit que le lendemain, il s'est dit, le jour où on a interrogé Fafa, et Fafa est monté sur le panel de Tata influenceur avec, si je me rappelle bien, c'était Manu. Voilà. Le jour où les deux sont montés sur le panel, non, c'est pas chez moi, c'est Mado ou Aya. Okay. Fafa est monté chez Aya. Il a eu la plus grande voix, c'est le jour de la plus grande. Il a dit que Pharrell était avec Fafa et Manu. Ils étaient tous ensemble. Parce qu'apparemment, quand Fafa est monté, quand il a fait le début de son interrogatoire, Manu est venu le retrouver parce qu'il est venu se plaindre à Fafa comme quoi ce qu'il était en train de dire était des mensonges et qu'il n'était pas d'accord avec. Donc, ils étaient tous les trois. Et lui, Pharrell, arrivé un moment, genre un peu tard dans la nuit, vers 23h30, minuit, il s'est décidé à rentrer chez lui à la maison. Et c'est quand il est parti qu'il y a eu ce qu'il y a eu, l'agression et tout ça. Et lui, et c'est ça qui était aberrant. Toi, au lieu d'appeler les gens avec qui tu étais assis, Je dis n'importe quoi parce qu'ils sont en train de se faire agresser. Donc, normalement, tu es censé t'inquiéter pour eux. Non, il appelle carrément Ryan pour lui demander, est-ce que c'est toi qui envoyais les gens
agresser les petits. C'est aberrant. Je dis, mais attends. Et il raconte ça. Et tout le monde est d'accord. Mais oui, mais c'est vrai et tout. Et ils ont fait jouer les notes. Ils ont fait jouer les captures de son écran. Comme quoi, Tata Yaya Robert avait menti. Elle avait fait des collages. Elle avait fait des montages et tout, et tout, et tout. Et que la vraie version de ce qui était arrivé ce jour-là et qu'il avait appelé Ryan, que Ryan n'avait pas répondu et tout. Il avait appelé Cécilia. Cécilia n'a pas répondu. Limite, c'est par message qu'il lui a dit que non, il n'a envoyé personne. Donc, il y a plusieurs personnes qui lui ont posé des questions comme ça. Voilà, cette capture. Non, c'est pas cette capture-là. C'est une autre capture. Donc, plusieurs personnes lui ont envoyé, lui ont posé des questions, mais il n'arrivait, pour moi en tout cas, il n'arrivait pas à répondre. Et au final, c'était du genre, il y a une deuxième note vocale qui a été jouée chez JM ce matin, où c'était entre Pharrell, Kevin, et puis un autre gars. Et il se plaignait au monsieur comme quoi, mais pourquoi est-ce que mes notes se retrouvent sur la toile? Je ne vous ai pas donné la permission et tout, et tout, et tout, et tout. Et ils disent que c'est Kevin, c'est Kevin Mia qui a divulgué cette note vocale et que Kevin Mia est proche de Cécilia. Donc, il a pris la note, il a fait enregistrer Pharrell et l'autre monsieur et il a pris la note pour aller donner à Kevin Mia. Et il a pris encore une partie, un bout de cette note pour aller donner encore à... Non, attends. En fait, c'est un micmac de conneries, mais au point de donner la migraine aux gens. Au point de donner la migraine aux gens. Heureusement qu'il y avait un monsieur qui était assez lucide, qui posait les bonnes questions. Et on n'arrivait pas à s'en sortir dans tout ce qu'il disait. Et le comble, c'est quand JM est monté. Parce que quand JM est monté, le fameux Loïc, le monsieur qui était sur le panel, il lui a demandé, mais les notes que toi tu as jouées chez toi, qui t'a remis ces notes-là? Étant donné que Pharrell dit que lui n'a donné aucune note à personne. Qui t'a remis ces notes? Il dit que lui n'a joué aucune note et que lui l'a joué seulement les notes de Tata Yaya Robert. On était tous sidérés parce que moi ce matin j'ai écouté ses notes. C'est lui qui a joué les notes le premier. Mais j'étais sidérée. Il a dit non, que lui n'avait pas joué les notes. Après il dit, ah non, quand le monsieur insiste, il dit non, en fait les notes là, c'est quelqu'un, c'est une source qu'il lui a donnée que lui ne va pas divulguer cette source-là. Du coup Pharrell lui dit, mais moi je ne vous ai rien donné. Donc, de la même manière, je porte plainte à Tata Yaya Robert. Je vous porte plainte aussi parce que c'est sans mon consentement que vous avez joué mes notes. Et le gars, il est là, il ne peut pas répondre. Non, bon, si vous voulez, de toute façon, j'ai de quoi me protéger et tout, et tout, et tout. Mais qui t'a remis ces notes-là? Étant donné que Ryan n'était pas censé avoir ces notes non plus. Donc, qui t'a remis les notes? Il avait dit que c'était Pharrell qui lui avait envoyé ses notes. Pharrell dit qu'il n'a pas donné ses notes. Et il a dit, et lui-même, JM est remonté sur le panel pour dire qu'il ne connaît pas Pharrell et qu'ils ne se sont jamais parlé. Et qu'ils ne se sont jamais parlé. J'ai passé tout mon temps mais tellement c'était... J'ai dit, mais comment des personnes... Et de grandes dames sont assises là et elles écoutent ça. Et elles acquiescent. Elle trouve que c'est limpide, c'est normal. J'ai dit, mais attendez, on est où là? Je sais pas. Oui, il y a bébé DJ. Mais le problème pour moi, hein, le problème n'est pas situé au niveau de bébé DJ. Bébé DJ, c'est un cul magique dans la sauce. I-U-I-O-A-I. C'est pas mieux, on va lire les syllabes. C'est un cul magique dans la sauce. Dans quel coup? Aujourd'hui, c'est une question de clan entre bébé DJ et puis Cécile. Madame Coquette, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans un combat, là, selon votre conviction, restez là où vous vous sentez bien. Lorsque vous partez chercher là-bas, là, vous n'allez même pas entendre de bonnes choses. Il n'y a rien de bon là-bas. Rien de bon à part la manipulation. Il cherche la petite bête pour rien. J'ai dit, est-ce que Ryan Yuruku les enfants, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Les détails là. Moi, franchement, moi ici, ma politique, c'est parce que voilà, je suis tellement de bonne humeur que j'ai accepté même que tu fasses ton speech. Sinon, moi, j'aime pas écouter ce qui se passe dehors. J'ai dit, ne prenez pas les odeurs de la poubelle de dehors pour envoyer ça ici. Moi, quand je suis dans mon combat là, je suis dans mon combat. Ce que les autres disent, ça ne m'intéresse pas. Quand on a commencé le combat, comment de chez moi jusqu'à la poutine. Moi, j'ai commencé le combat avec au moins 7 000 personnes. La poutine, elle a fait jusqu'à... Elle est montée à 25 000 personnes.
un coin où il y a peut-être 200, 300, 400 personnes. Dis-moi, tu vas convaincre qui? 10 000 personnes t'ont écouté. Tu vas chercher à convaincre combien? 400, 300 personnes ou 500 personnes? Pourquoi? Moi, franchement, je n'ai pas ce temps-là. Je ne vais pas ailleurs. Si on vous traite de mouton, c'est ça. C'est la curiosité qui vous rend malade. Est-ce que Ryan, moi, mon combat, là, c'est Ryan. Pharrell, Fafa, Fofro, ceci, cela ne m'intéresse pas. Mon combat, là, c'est Ryan. Ryan, Yuruku des mineurs, oui ou non? Oui, il est Yuruku. Le reste, le fait que non, disent que non, Kevin a fait ceci, cela. Moi, je dis toujours, quand tu t'impliques dans un game, quand tu t'impliques dans quelque chose, on va toujours te salir. Nous tous, là, on nous insulte. Nous tous, depuis le matin, il y a des gens qui m'écrivent, « Oh, influenceur, la zone de turbulence, sortez vous insulter. Hein, on fait ceci, on fait cela. » Nous tous, on nous insulte. Mais je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Mon combat, c'est Ryan. Des détails comme ça, ce sont des détails. Et c'est ça, là, ça envoie les gens à la maca. Le gars passe son temps à Mougou, les enfants. Et toi, tu veux que moi, je perde mon temps avec un gars qui s'appelle Pharrell. Ils sont en train de salir Kevin. Kevin, c'est là où il a mis les pieds. Kevin, il est comme on appelle ça, il est dans la politique. Il sait très bien. Quand tu mets ton pied dans cette histoire-là, les gens vont t'insulter. Ils vont t'insulter, ils vont te salir. Mais il faut rester focus. Vous avez dit, au fond de toi, tu sais que Ryan, c'est un mongousseur d'enfant. On a mis toutes les preuves. Vous avez tout vu. Comme depuis, on ne l'arrête pas. Vous partez ailleurs, à gauche, à droite. On met des choses dans vos têtes. Ça vous fatigue la tête. Et puis, vous venez me fatiguer. Moi, je ne veux même pas savoir. Lui, il conquête. Il faut laisser. Attends. Laisse-moi m'expliquer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu sais, moi, je dis toujours que c'est dans la bouche de l'adversaire que tu trouves de quoi le taper. Tu me comprends? Attends. Laisse-moi finir. Mais conquête. Ok. Non. Il faut m'écouter. Ce que tu dis là, il y a des gens qui sont là pour ça. Moi, influenceur là, je ne vais pas écouter les choses qui vont me mettre hors de moi. Je ne peux pas écouter la bêtise. Quand toi-même, tu viens de dire que j'aime toi qui étais incapable, il mentait, il disait que non, lui, il a fait jouer les notes d'ailleurs. Bon, quand tu écoutes des trucs comme ça, là, comment tu te sens? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnages-là? Bon sang, il y a une mère qui traîne à Abidjan là-bas, qu'on va mettre à la maca. Vous partez écouter Pharrell, Fofro, Fra, des gens. Est-ce Pharrell, là, lui, il est qui? Moi, mon combat ici, là, c'est Ryan. C'est Ryan. Tout ce que j'ai en ma possession, tout ce que l'équipe a en leur possession, pour qu'on le mette à nu, pour qu'on puisse le jeter en prison là. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Les gens qui vont fouiller pour dire, ah, non, ce que tu as mis là, O n'est pas à la place de A, A n'est pas à la place de E, je m'en compte, je m'en gabarde de ça. Je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Parce que moi, dans ma tête, j'ai affaire à un pédophile. Les histoires de game de TikTok, là, ça ne m'intéresse pas parce que c'est le game. Et ils se disent, si on va à gauche, ils vont à droite. Si on va à droite, ils vont à gauche. À force de pouvoir faire des choses comme ça, on devient stupide. Celui-là, il pèse foi dans cette histoire de Ryan. Tu penses que c'est le seul qui travaillait avec Ryan? Tu penses que c'est le seul qui a témoigné contre Ryan? C'est clair que non. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Donc, quand les gens viennent dire, oh, lui, là, il a parlé. Oh, lui, là, il a fait ceci. Hey, ici, là. C'est l'arrestation de Ryan pour que les petites fesses de nos frères et sœurs, les kikis de nos petits-enfants puissent être en paix. Parce que ce gars-là, il est avide de kiki. Il est avide de sexe. Son but, c'est de détruire la vie des jeunes. Il a détruit même des familles. Ce gars-là, c'est lui qu'on doit mettre hors d'état de nuit. Le reste, Pharrell, Fifi, Fofo, Kevin a fait ça. Ça là, I don't care about this ici. Ici là, le combat, c'est Ryan. L'arrestation de Ryan, la poubelle, les odeurs qui sont dans cet panel-là. Je ne veux pas de ces odeurs-là ici. Déjà qu'il y a fait d'odeur de couilles, il ne faut pas venir en rajouter. S'il te plaît, ça fait un mois, je suis dedans. Je suis enceinte. Tout ce qui va m'énerver, là, je ne veux pas écouter. Je ne sais même pas ici à combien de mois. Peut-être tout de suite, je vais te parler, tu vas entendre dans quelques heures, je ne sais même pas. Je ne sais pas comment je parle, et puis je sais souffler à cracher dans ma bouche là. Non, pardon. La même fille. Sorry. La même fille. Il faut laisser là-bas. Dis-le, tu as parlé anglais pour ça, pour mettre des idées. Ah oui, mais j'ai mis anglais, il va tout ça. C'est pas une chose fatiguée. La même fille. Il faut le passer, il était là-bas. Il dit à vous, il dit pas, il faut laisser. On va voir mal au cracher. Il est fatigué des odeurs. Mon nez, actuellement, mon nez est mal gros dans le dos de Ryan. Ryan.
celui-là, je ne vais pas écouter les mauvais, je ne vais pas sentir les mauvaises odeurs, s'il vous plaît. Confarel, lui, il est qui même? Il est qui? Ponita ou Ponites? On ne sait même plus, il est qui? Oh, Ko, regarde, il a même la capture. Il dit que non, quand lui, il a envoyé un message à Ryan, Ryan dit, il dit, j'ai envoyé personne. Non, dit, mais l'appel de 41 secondes qu'ils ont fait là. Quelqu'un peut te dire que lui, il a fait 41 secondes pour dire à quelqu'un, je suis occupé. C'est possible. Je suis occupé. C'est pas de logique. Oh, c'est faux. En 41 secondes, il a dit, attends, envoie-moi un message. 41 secondes, là, on peut faire beaucoup de choses. Nous, là, nous sommes de la génération où, dans le temps, un appel était à 500, 800 francs. En 41 secondes, on causait nos gars comme ça. Peut-être tout ce qu'on a gardé. Parce que tu sais que si tu as fait une minute, une seconde, si tu fais une minute, une seconde, tu vas payer 1000 francs. Donc, en 41 secondes, là, chérie, je t'aime. J'ai fait ceci, cela, oui. Oui, j'ai reçu à mon bac. Oui, mais fais tout. Fais, tu vas me faire venir. Chérie, je t'aime. Donne-moi l'argent, je suis moisi. En 41 secondes, tu fais beaucoup de choses. Parce que si ça fait une minute, une seconde, tu payes 1000 francs. Donc, on laisse ça. Le comble même, là. Rien que je t'ai dit que quand il lui a demandé, là, le gars n'a pas répondu. Lui a, il a attendu des heures avant de répondre. Il y a le nombre de minutes qu'il y a eu. Regarde, il y a des heures. On n'a pas vu les choses. En tout cas, c'était repris de communisme. Et moi, la partie qui m'a sidéré, il dit, quand il est le lendemain, ils lui ont arraché son téléphone. Il y a un de ces gars qui lui a arraché son téléphone. Il a quelqu'un va prendre ton portable dans ta main, il est seul. Toi, tu es avec tes amis. Jusqu'à les gens venus vous trouver. Et il faut ne pas réfléchir pour tout ça. Kevin, mais je sais ça, j'ai écrit dans les commentaires, mais à quel moment Kevin a débarqué là où vous êtes là pour récupérer ton téléphone? Hey, mon gars, gars, c'est là. Ouh, attendez, je vais faire descendre quelqu'un. Il y a Hassan qui est là. Je vais faire descendre qui ne va. Bonsoir, 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 la famille, influenceur. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Gess, comment tu vas? Bonsoir à toutes et à tous, en tout cas. Bonsoir, c'est Hassan Ayek. Oui, j'ai les palpitations au crise cardiaque, pardonné, loin de moi. Mais j'ai recommandé, ne faites pas ça. Il y a des gens qui sont enceintes, il y a d'autres qui ont AVC. Pardonné. La même pluie, on dit que c'est les gens qui affichent. La même pluie. Vous avez vu, même en deux secondes, on peut lancer un message. C'est ce que Hassan Ayek vous a montré tout à l'heure. Je vais faire tout sauter quelle couleur. Oui, Anno, oui, vas-y. Ah, si elle dit la couleur, là, les gens vont s'en passer. Quoi en vous, tu es là ou pas? Bon, il ne faut pas gris. Il ne faut pas le gris, le blanc, ça passe avec tous les sexes. Ou bien il est occupé? Qui a dit ici qu'il est réel, on ne peut pas l'attraper? Qui a dit ici, levez les mains, qui a dit ici qu'on ne peut pas l'attraper? On a dit ça des. Hey, guess, guess, tout, tout mêlé. Qui a dit ici qu'on ne peut pas l'attraper? Qui lui là? Lui là, bras loin. Qui a dit ici? Il n'y a pas quelqu'un qui. Toi, tu vas finir la montre pour moi. Parce que. Coucou, tu dis quoi? Qui a dit? Il n'a qu'à lever sa main. Qui a dit? Moi, il n'a rien dit. Ça ne peut jamais être moi. Donc, là, elle a la voix de caleçon. Hein. Moi, ce que moi, je vais vous dire, restez tranquille, Ryan. Là. Son dossier est déjà cuit, même. Voilà, son dossier est déjà cuit. Son dossier est déjà cuit. Donc, tout à l'heure, ça va se passer. Bonsoir. Mais envoyez-nous un moyen de paiement. Guess, vous savez, Guess et puis influenceur, Hassan Ayek, vous, tout ça, vous savez, dans la vie, hein. Dans la vie, on se trouve là. Non, attendez d'abord. Non, faut pas faire. Par exemple, on se trouve là, c'est pas bon. Les cœurs ne sont plus en place. Dans un moment donné, là, faut pas faire. Faut pas faire. Les gens vont tomber. On va avoir un fatus. Non, tomber, nous, on va vous loin lever. Loin de on va vous lever. Tomber, tomber. Parce que où on se trouve, moi-même, je suis là. Je sais plus où je me trouve. Hein. Je suis où? Je me trouve où? Oui. Je dis, le soir, c'est toi qui interprète le morceau de Tiesco tout l'est là. C'est toi qui chante le soir. Tiesco hein. A chanté tout l'est. Ah, il a chanté tout l'est. Croyez à vous, Mohamed. Ah, il n'a qu'à mettre, je vais voir s'il peut interpréter. Peut-être que quand il va commencer à interpréter, chacun va se désabonner ou bien vont laisser live là pour aller dormir. Avec ma voix là, je vais interpréter chanson de Tiesco. Peut-être que moi, j'ai jamais vu danser en live là. Je vais allumer caméra. Aujourd'hui là, je vais me déshabiller en live aujourd'hui. Attendez. C'est ce fils là qui est en train de danser comme ça là. Je t'ai dit. Une promesse, c'est une dette, hein. Oh, caleçon.
C'est mieux, tu as fallu ton nom, tu as mis là. Mieux, tu as remis. Il n'y a pas là, il n'y a pas là, mais black man. C'est pas qu'à leçon. Ma copine, Prisca, il n'y a pas là avec qui? Et avec ma première femme. Qui a parlé tout à l'heure? Elle a la voix de Prisca, hein? Mais attaquante. On peut faire ça. Donc tout ça va se faire. Attends. Prisca est où? Ah ah! Elle est en fantôme. C'est comme vous avez vu pour prendre comme danser. Elle est là, elle n'a pas bon réseau. Boss Lady, mon bébé chou. Mais ça va, désolé, je ne peux pas parler. Je suis au boulot, c'est pour ça. C'est pas comme il aime. C'est ça, il aime, non? Et qui ça? Taisez-vous là-bas. Taisez-vous. On a été de régler la guerre 14 ici d'abord. Et influe. Tu sais, il faut dire à Prisca, si je la vois là, ce cocotin au milieu de son dos là, douille. C'est ça, il est donné. Comme pour Cécilia là, le dos de Cécilia là, ça, il est donné. Elle me cherche, hein. Tu n'as pas dit que c'est moi qui suis la première. On peut fêter. Les nouvelles sont bonnes, on peut fêter. Ah oui. Elle dit, guess, shut up. Là. Vraiment, TikTok même qui est là, là, il faut que je désactive mon TikTok. Il ne faut pas faire, on va m'amener aux urgences. On va m'amener aux urgences. TikTok même, TikTok n'est pas bien, hein, oula. Ah. Ça ne pas avoir. Si tu n'as pas cardio, tu me connais. Prisca, ça y est, moi, tu joues. On va se déchirer les strings ici. Tu connais, non? Le fiancé, viens ici. On met tes grosses fesses ici. Ah oui. J'ai raté quoi ici? Il y a dit, on va se déchirer les strings ici. Ça y est, moi, tu joues. Il y a des plaies ou me. I go show you something. Na, na, na. I will tell you. Et. Et puis, attends, elle va revenir ici. Parce que tu connais mon âge. Tu connais mon âge. Tu connais mon âge. Macabo rapé. Faut pas définir le combat. Black Angel, faut pas définir le combat. Influenceur, ton bébé va s'appeler comment? Je vais te donner ton CV à la poutine. Vous pouvez la faire monter. Tata Yaya est là. Non, elle n'a pas fait de demande. Mon bébé va s'appeler Victoire. Parce que j'ai fait trop de combats sur une tête de l'enfant. Elle va s'appeler Aïcha, femme de bénédiction. Il faut la... Victoire. Altamira. Non, mon enfant que j'ai là, il n'aime pas l'injustice. Ça là, est-ce qu'il va pas devenir capitaine? Lui là, je sais qu'il sera dans l'armée. Il a horreur. En tout cas, je vais te faire étudier. Tu vas faire le droit. Si c'est pas le droit, tu vas faire l'armée. Quand il a appris qu'il n'a qu'à lever sa bouche entre toi et moi, ça ne va pas se passer. Merci beaucoup. Comme Black Angel, mais là au travail c'est pas bon, hein. Il me cache dans la douche pour parler. Pardon, mon amour, ne perds pas ton boulot grâce à ça. On vit, on mon bébé, tranquillise-toi. Il y a mon business à côté, on va vivre. Je ne peux jamais te laisser de la galère. Mon bébé, tu es ma femme de galère. Je ne peux pas te laisser de la galère.
Hein? Il y a mon petit boulot à côté. Coquette, ne vous inquiétez pas. La belle, s'il te plaît, mon bébé, on va bien vivre. Hein? Il doit bien te nourrir. Viens faire mon combat et moi. Moi, quand j'ai appelé renfort, j'ai appelé renfort. Plus qu'à petite choigne là. Ça, quoi, tu fais. Ah, mais ici, il faut venir, on va parler avec l'influenceur. Parce qu'influenceur, il va donner nos bizarres à l'enfant. Il veut appeler l'enfant la victoire. Elle veut appeler l'enfant la victoire. Pourquoi elle veut appeler l'enfant la victoire? Et puis elle veut que l'enfant devienne avocat. Oh, nous, on a vu des avocats bizarres ici sur TikTok. Influenceur, tu as appelé bébé la Prisca. Toi, mais tu sais que tu veux l'appeler Prisca, ça te gratte. Mais comme Black Angel est là, tu n'as pas que de lui dire. Un vieux nom, autant de Simon Templanco Prisca. Hein? On va l'appeler Aïcha. Angel. Angel. Angel, regarde comment ça sonne même. Angel. Il a dit Prisca, on va se déchirer les strings ici. Tu me connais? J'ai dit, toi-même, attends, pourquoi toi-même tu te presses même? Toi, tu portes déjà string. J'ai dit, ma string là, c'est petit comme ça. Petit string dans le gros fesse. Faut pas venir donc, de là. Je vais vous manger la vie avant de vous manger gratté. Il y a même mes grosses fesses là sur ton visage. Tu vas comprendre ta douleur. Hein? C'est moi toujours. Il y a même mes fesses sur ton visage. Tu me connais. J'ai fait mise à jour. Je sais que tu vas me connaître. Influenceur, il faut départager. Et puis, il faut savoir départager. Parce que l'amour là. Je dis. C'est ma go de galère. Elle ne peut pas parler. Influenceur, c'est ma go de galère. Elle ne peut rien dire dans ça là. On a mangé Atiké ensemble. On a mangé Gaba ensemble. T'as entendu? Après, des gars, des galères. Apoutou, Apoutou n'aime pas ça. Hein? Apoutou n'a pas suivi les conseils d'un sale pot. Ils sont allergiques à vous, les galères. Ah, je te dis, gars, des galères sans union, ils n'aiment pas ça. Attends, je reviens. Je vais l'appeler, je reviens, ok? Mais Beyoncé là. Apoutou n'aime pas. Coucou Abigail, merci. Caractérise, j'ai oublié de dire merci même à tous ceux qui m'ont envoyé les cadeaux tout à l'heure. Donc, mine de rien, influenceur, tu as appelé l'enfant. Est-ce que Morgan Atamira a été arrêté? Winner est mieux. Lou, non, Victor, oui, on s'appelle Victor. Non. C'est la 13 des vues. Faut bien réfléchir. Parce que Victor. Victor, oui. Victorine. Victor, oui. Merci, Abby. Merci. La poutine a lancé. Bon, allez, on coupe, on coupe, on coupe. On va chez la poutine. Ah, bisous.